Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Pascal Taouès au cabinet du chef de l'État. Le colonel à la retraite est allé voir Patrice Talon aujourd'hui pour discuter de questions liées à sa carrière et à la vie de sa famille. Nous allons le suivre à la fin de son audience qui a eu lieu tout à l'heure même. Des séances de prière pour la paix, la Fondation Malekhosou en tournée nationale a fait escale vendredi à Lokossa et à Dobo. Ambiance à suivre avec Geoffroy Vincent dans ce 19h30. Et puis, une conférence à l'endroit des jeunes filles du cours secondaire Notre-Dame de Cotonou. C'est pour parler du coronavirus, la trouvaille de Caire International Bénin Togo pour célébrer à sa façon la journée internationale de la femme. Ulrik Gaba et Elvis Tonoukouin, nous ferons le point par là. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux nouvelles. Pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers mois, c'est plutôt un revirement inattendu. Pascal Taouès chez Patrice Talon. Les deux hommes se sont vus et ont discuté, en tout cas d'après le visiteur, de tout sauf de la politique, sujet qui l'avait contraint à une contradiction radicale vis-à-vis du pouvoir. Le colonel à la retraite est allé parler de la fin de sa carrière professionnelle et de la fortune faite à sa famille depuis lors par l'État. Je vous propose de suivre ici ses confidences à sa sortie d'audience tout à l'heure. Monsieur le Président de la République, comment allez-vous? J'ai sollicité cette audience pour rendre compte au chef de l'État de ma situation administrative actuelle. Comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, j'ai été envoyé aux États-Unis en qualité d'attaché de défense en 2011 avec un visa d'un an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013, mais malheureusement, les différents responsables de l'ancien régime politique ne m'ont pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui permette le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. C'est pour cette raison que j'ai rencontré le président de la République pour qu'il intervienne pour un règlement diligent de mon dossier administratif. Le chef de l'État m'a bien reçu. Il m'a donné les directives et les conseils nécessaires et il a promis d'instruire les structures concernées afin que je sois satisfait. Prenons à présent avec l'actualité de l'heure. Les séances de prière pour appeler à la paix. La Fondation Malekhosou s'y est mise sérieusement au point d'engager une tournée nationale qui était vendredi à l'étape de Dogbo et de Lokossa dans les départements du Koufo et du Mono. On fait le point avec Geoffroy Vincent. La présidentielle du 11 avril prochain au Bénin doit se tenir dans une bonne ambiance. La Fondation Malekhosou, depuis des mois, en effet, initier des prières itinérantes dans les grandes villes du Bénin à cette fin. Ici, une délégation de cette fondation est à la mosquée centrale de Dogbo-Tota pour le compte du département du Koufo. Nous sommes en train de passer dans les grandes mosquées pour demander à tout le monde de prier pour la paix. Parce que les élections qui s'annoncent là, il y a trop de menaces. Nous nous sommes déplacés vers vous aujourd'hui pour vous dire de donner conseil à vos amis, à vos enfants, à vos frères, à tous les parents, que le jour-là, c'est pour aller voter et ranger sur soi. Ce n'est pas la peine de dire qu'on va partir marcher sur les voies, brûler les poulets. Là où cela s'est passé, vraiment, c'est catastrophique. Et on ne veut pas que cela parte. Les fidèles musulmans qui étaient présents ce vendredi à la mosquée centrale de Dogbo-Tota ont ainsi imploré le pardon de Allah pour que règne la paix sur le territoire national. Depuis là, on est en train de dire là, la prière, on est en train de faire que la paix n'est qu'à s'installer dans notre pays. Ya Allah, ya Rabbi. Dieu n'est qu'à protéger le pays.
Je n'ai qu'à protéger les gens. Je n'ai qu'à protéger nos dirigeants. Je n'ai qu'à mettre la bonne entente entre eux. Quelques instants plus tard, la délégation de la Fondation Malerossou s'est retrouvée dans les murs de la mosquée centrale de Lokossa pour le compte du département du Mono. Ici également, les objectifs de la tournée ont été rappelés et la prière pour la paix au Bénin a été dite. Nous voulons aussi réitérer la même chose à nos compatriotes, à nos fidèles, à nos citoyens, à nos amis, à nos enfants, à nos femmes, à nos frères, de toujours chercher à conserver que la paix. Nous sommes aujourd'hui à Lokossa, nous sommes à Dogo pour réitérer le même exploit, pour dire à nos concitoyens combien la situation de paix est complètement viciée par des forces dont nous ignorons vraiment les desseins, et nous sommes complètement décidés à faire en sorte que la paix prédomine. La délégation de la Fondation a profité de sa présence sur le sol du département du Mono pour rendre une visite de courtoisie au patron des lieux. Nous-mêmes, de notre côté, nous allons sensibiliser les autres confessions religieuses à lui emboîter le pas. Très attachée à la paix, la Fondation Malerossou met le cap sur d'autres départements pour la poursuite de sa campagne nationale de prière pour la paix. Il n'y a pas que les croyants qui sont sur le terrain de l'évangélisation à la paix. Les enseignants aussi sont dans la danse, notamment ceux de la Donga. Ils ont initié eux aussi une campagne de sensibilisation sur la problématique de la paix pour un climat pacifique en période électorale. Voici le compte rendu avec Abdou Sahabi Idrissou. Œuvrer pour l'édification et la consolidation d'un climat de paix en période électorale, c'est la mission que s'assignent les acteurs du système éducatif dans la Donga. Outre leur rôle traditionnel d'éducation et de formation, ils vont s'évertuer à sensibiliser les adolescents et jeunes sur la nécessité de cultiver les valeurs du vivre ensemble. En effet, éducateurs et formateurs de profession, vous êtes en mesure d'éveiller et d'éclairer les consciences, d'annoncer autour de vous la vérité sur les opportunités d'une élection sans violence. Je voudrais, enfin, lancer un vibrant appel à la mobilisation de toutes les intelligences autour de notre ambassadrice de la paix. Puisse cette sortie servir de point de départ pour une réflexion approfondie en vue d'une élection paisible et pacifique dans notre beau département, la Donga. La présente rencontre se veut comme une tribune de réflexion sur la problématique de la paix en période électorale. En dépit de ses occupations institutionnelles, Mariam Chabitalata Zimé, première vice-présidente à l'Assemblée nationale, est venue prêcher la bonne parole. Ce que nous avons comme acquis essentiel depuis les années 60, ce qu'on n'a pas pu nous retirer, ce qui fait que nous sommes un État aujourd'hui respecté, ce qui fait que nous sommes un État de droit, un État qui garantit à ses enfants le droit à l'éducation, le droit aux soins, le droit à un avenir, c'est la paix. Si cette paix-là est menacée, si nous en arrivons à perdre cette paix, plus rien ne sera possible. L'ambassadrice de la paix, ici comme partout ailleurs, milite pour la promotion d'un climat sociopolitique apaisé. Pour elle, la violence ne saurait être le dernier recours d'une revendication. La violence est destructrice. Quand cette destruction ne concerne que les biens matériels, on peut encore réparer des choses. Quand du fait de la guerre, je perds ma maison, si je suis en vie, je peux reconstruire cette maison. Si du fait de la guerre, je perds mon véhicule, si je suis en vie, je vais m'acheter un autre véhicule ou réparer le véhicule endommagé. Mais quand la violence engendre la perte des vies humaines, c'est que l'irréparable est fait. Par ces assises, ces enseignants de la Donga signent ainsi le pacte de non-violence en cette période sensible. Ils comptent œuvrer pour la sauvegarde de la paix et l'unité nationale. La paix, c'est un comportement
aimons-nous les uns les autres en terre lâche. Une très belle voix en plus. Mesdames et messieurs, ce dont je veux vous parler maintenant est pratiquement inédit. Le recrutement en bloc de 2000 personnes pour un vaste projet. Il s'agit du projet justement pipeline d'exportation Niger-Bénin. Et pour faire les choses dans les règles de l'art, le gouvernement a ouvert un site de recrutement en toute transparence. L'accès à la plateforme en question a été officialisé aujourd'hui même à travers une cérémonie officielle. Narcisse Alossé pour Le Point. Un peu plus d'un an et demi après le choix du Bénin de servir de couloir de transport du pétrole brut du Niger vers le marché international, le projet pipeline d'exportation Niger-Bénin entre dans sa phase active. Le top est donné ici avec le lancement officiel du site web du projet pour le processus de recrutement. L'État bénois et son partenaire chinois entendent privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre locale bénoise durant les phases du projet. C'est pourquoi l'optique de garantir la transparence et l'équité durant le recrutement a venu le ministère de l'Eau et des Mines en collaboration avec la société Wapo Bénin à élaborer une plateforme web pour permettre aux aspirants de la société béninoise de s'inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction, mais aussi pour la phase d'exploitation de ce projet. Et l'adresse de cette plateforme, la voici. Elle offre l'opportunité à tout aspirant de s'inscrire sans le moindre investissement et avec un gain de temps. À travers cette plateforme web, exactement, 2308 personnes avec plus de 50 profils seront recrutées pendant la phase de construction dans quatre catégories d'emplois différents que sont les emplois cadres, 27 personnes, les ouvriers spécialisés, 772 personnes, les agents de sécurité, 279 personnes et les emplois de soutien des ouvriers, 1230 personnes. Au terme de la phase de construction et pour le compte de l'exploitation de ce pipeline, environ 300 emplois permanents seront créés, pour l'essentiel des emplois cadres. D'un coût global de 608 milliards de francs CFA, ce projet va générer d'importantes ressources à l'économie béninoise à titre de droits de transit et d'impôts. Il est long de près de 2000 km et traversera plus de 150 villes et villages du Bénin dans 5 départements. Les travaux démarrent au mois de mai prochain pour durer 2 ans. Un vaste projet donc. Des certificats de conformité sanitaire et d'autorisation de mise en marché des produits pour les acteurs des filières karité, ananas et volaille. C'est au cours d'une cérémonie tenue aujourd'hui à Cotonou, une façon pour l'État de booster les filières concernées et de contribuer à une diversification des produits exportés. Voici le point de la cérémonie de remise des papiers aux acteurs avec Assiombo Kanyi Assiombo et Derongpavi. Avec les certificats de conformité sanitaire et d'autorisation de mise sur le marché qui leur sont remis, les acteurs des filières agricoles se mettent au pas. 50 entreprises inscrites au départ pour l'obtention du certificat, elles sont 29 lauréates à l'arrivée. 21 unités de transformation d'ananas en jus, 3 unités de transformation en ananas séché et 5 de transformation de volaille. Avec cette opportunité que nous offre la certification ABSSA, nos produits se vendront tout seuls désormais, car aujourd'hui, les consommateurs ne recherchent que la qualité. Une qualité que vise le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé et l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. L'Union européenne et l'Agence française de développement soutiennent cette qualité à travers le cofinancement du PARACEP. Au total, acteurs privés des produits alimentaires et consommateurs en sortent protégés. Les aspects liés à la sécurité alimentaire et à la protection des consommateurs sont d'une importance cruciale lorsqu'il s'agit d'introduire des nouveaux produits sur le marché afin de faciliter les échanges commerciaux. Je suis heureux d'être témoin aujourd'hui qu'avec l'appui du PARACEP, un nombre significatif d'entreprises béninoises, donc 29 unités, sont conformes aux normes sanitaires et leurs produits peuvent désormais être mis sur les marchés. Le certificat de conformité sanitaire et l'autorisation de mise sur le marché des produits sont des actes officiels, contraignants et extrêmement utiles
aussi bien pour les acteurs privés des produits alimentaires industriels que pour la population consommatrice de ces produits. Sous la houlette du ministère chargé du plan et du développement, le PARACEP a pour objectif de contribuer au renforcement des acteurs du secteur privé béninois. Il vise aussi l'environnement des affaires afin de promouvoir l'investissement, la croissance, l'emploi et de lutter contre la pauvreté. Pour le ministre d'État chargé du plan, c'est non seulement une grande responsabilité que portent les récipiendaires, mais aussi des ouvertures qui se présentent. C'est donc pour moi le lieu de féliciter les entreprises récipiendaires et leurs promoteurs qui ont pu passer les différentes étapes qui consacrent la remise des parchemins de ce jour. Mais au-delà d'un certificat, je veux rappeler à ces entreprises qu'elles s'engagent résolument dans la démarche qualité avec le respect des normes et des exigences y afférentes. Par ces certificats, c'est l'ouverture sur le marché national, mais aussi sur le marché régional et pourquoi pas sur le marché international. Le certificat de conformité sanitaire dénote de la bonne marche du partenariat public-privé au Bénin, gage d'une économie moderne, intégrée et prospère. C'est donc un pas important que viennent de franchir les récipiendaires, a laissé entendre Abdoulaye Biochar. La Sobebra, la société béninoise de brasserie, s'investit désormais dans la sécurité routière. Elle a organisé une campagne de sensibilisation dans les grandes villes du Bénin et en a rendu compte à la presse lors d'une sortie médiatique. On retrouve à Siongbo Kanya Siongbo et Eder Mbavi. Trois mois de campagne de sensibilisation sur le code de la route, au terme desquels la société béninoise de brasserie fait le bilan. L'opération La Sobebra vous décode le code s'est déroulée sur les gares routières de Cotonou, Calavi, Porto Novo, Parakou et Boïcon. La Sobebra a, ensemble avec les conducteurs, expliqué et conscientisé sur le respect et l'application du code. J'enjoins chacun et chacune à ne pas baisser les bras et à continuer les efforts de sensibilisation, les efforts d'explication qui sont malheureusement plus que nécessaires pour faire comprendre aux usagers de la route qu'un panneau, ce n'est pas fait pour décorer, mais c'est fait pour être obéi. Pour la campagne, la Sobebra a sollicité le Centre national de sécurité routière qui a mis à disposition des experts. Plusieurs moyens ont été utilisés pour réussir la sensibilisation. Nous avons décidé que nous allons organiser des activités de sensibilisation. Nous avons prévu aussi de déployer un dispositif de communication 360 degrés pour dire, en prenant en compte tous les canaux de communication possibles. Le déploiement de ces moyens a permis d'atteindre les cibles et de les amener à respecter le code de la route. L'impact n'est pas négligeable et le CNSR s'en réjouit. Et l'impact, c'est énorme. C'est énorme parce qu'ils nous ont aidés à non seulement rappeler les thématiques ou bien les obligations du code de la route. Vous saviez, pour la circonstance, j'ai ainsi honneur de vous dire que le code de la route béninois est en train d'être actualisé. Et donc, comme c'est une loi qui devrait faire porter cela, et nous avions le plaisir de vous annoncer que le Bénin a un nouveau code de la route, un nouveau projet de code de la route, et qui a été actualisé par rapport aux défis de modernisation de nos routes. La Sobebra en est consciente et est prête à rééditer la sensibilisation. Mais en attendant, elle va appuyer la municipalité de Cotonou en lui offrant des panneaux routiers. Un mot rapidement sur la journée internationale de la femme, le temps de boucler ce 19h30. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, l'Amicale des femmes a pris le devant des choses cet après-midi pour une commémoration en différé, pour des moments de réflexion autour du thème « Les effets du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique sur les ménages, la situation de la femme fonctionnaire au Bénin ». Ouliat Sanoussi pour nous rendre compte. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, la Journée internationale de la femme se célèbre autour du thème « Les effets du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique sur les ménages
la situation de la femme fonctionnaire au Bénin. Le choix de ce thème cadre bien avec la réalité que vivent les femmes fonctionnaires dans le ménage. Les investigations menées auprès de certaines femmes fonctionnaires révèlent que celles-ci se plaignent des difficultés qu'elles rencontrent dans leur ménage, surtout en ce qui concerne l'heure de sortie du bureau, qui coïncide avec les embouteillages sur les voies de circulation. Aussi, depuis le 1er janvier 2021, le gouvernement a-t-il réaménagé les heures de travail pour prendre en compte cette préoccupation? Excellence, Madame le ministre, s'il est une chose de reconnaître au gouvernement son mérite, il est également une autre de vous féliciter pour votre bravoure à conduire de main de maître cette réforme. Deux communications portant l'une sur le thème et l'autre sur la pandémie de COVID-19 dans la vie professionnelle des agents ont meublé la journée. L'Amicale des femmes du MTFP a également présenté le bilan de ces 3 années d'existence marquées par des actions fortes. Au nom des femmes de l'Amicale, je tiens particulièrement à vous remercier, Madame le ministre, présidente d'honneur de notre Amicale, pour votre leadership, pour tout ce que vous faites pour le rayonnement et l'épanouissement de la femme, et plus précisément des femmes du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ensemble, nous relèverons les défis du leadership féminin pour le développement harmonieux de nos nations. Le gouvernement du Bénin a entrepris beaucoup d'actions pour la promotion de la femme, surtout en matière d'autonomisation économique. Occasion pour la ministre du Travail et de la Fonction publique de prodiguer des conseils à ses collaboratrices. Il est vrai que des progrès significatifs ont été accomplis, mais beaucoup reste encore à faire pour instaurer réellement l'égalité entre femmes et hommes dans notre pays. Par exemple, le leadership féminin n'a pas encore impacté, comme cela se doit, l'ensemble des femmes de l'administration et certainement les générations futures des filles qui devront encore faire face à l'inégalité des chances et à la discrimination. Ce que je puis dire, ne vous plaignez pas de votre sort. Prenez simplement votre destin en main et avancez. Je vous demande de vous ovationner. Au cours de la célébration, la ministre Hadidja Toumatis a reçu des présents de la part des femmes de l'Amicale et d'un groupement de femmes en signe de gratitude. Des cadeaux sont également offerts à 6 femmes du ministère qui ont fait valoir leur droit à la retraite. La fête a été par ailleurs agrémentée par la prestation de l'artiste béninoise Fanny. Et le tout dernier mot, toujours au sujet de la Journée internationale de la femme, dans ce 19h30, c'est l'organisation CARE International Bénin Togo qui est allée sensibiliser les filles du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou au sujet de la pandémie liée au coronavirus. Elle l'a fait à travers une conférence tenue hier avec l'objectif de faire de la cible des ambassadrices contre le mal qui se répand sans arrêt. Ulrich Gaba. Face aux apprenantes du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, le directeur du SAMU explique l'impact de la COVID-19 sur la communauté. Une conférence initiée par CARE International Bénin Togo pour sensibiliser les filles sur la pandémie mondiale qui n'épargne aucun secteur d'activité. Merci pour tout ce que vous allez communiquer avec nos filles. Et je suis sûre que celles qui sont là présentes, qui représentent toute l'école, sauront être des ambassadrices, des messagères de tout ce qu'elles vont recevoir de vous. On m'a dit tout à l'heure que vous êtes des ambassadeurs. Ça veut dire que vous représentez vos camarades qui ne sont pas là et que vous êtes des porte-voix de ces camarades. Alors, il est important pour nous donc de travailler avec vous afin que nous puissions mieux communiquer sur les questions de la COVID-19 et sur les mesures barrières, de sorte que vous soyez effectivement des ambassadeurs qui vont travailler à apporter des informations sur cette pandémie qui ne cesse de faire des ravages. Cette conférence qui s'inscrit dans la droite ligne de la Journée internationale des droits de la femme est l'occasion pour les organisateurs de faire de ces apprenantes des ambassadrices
et des agents de sensibilisation contre la COVID-19. Nous avons beaucoup insisté sur la gravité de la maladie, sur les modes de contamination et surtout sur les gestes barrières. On en parle, mais on ne répétera jamais assez que compte tenu de la gravité de la maladie qui ne cesse pas d'évoluer, le mieux à faire, c'est de pouvoir se protéger et protéger les autres. Et les gestes barrières sont encore d'actualité plus d'un an après le début de la pandémie. Vous avez vu comment elles ont posé des questions pertinentes. Je crois qu'elles ont été réceptives et on peut compter sur elles pour passer le message. Au nom des responsables ici présentes et des filles du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, nous vous remercions pour cette formation constructive. Nous prenons acte de vos conseils et nous vous promettons d'être de bonnes ambassadrices. Merci beaucoup. Le résultat est visiblement atteint. CARE International Bénin Togo peut se frotter les mains d'avoir semé des graines de sensibilisation contre la pandémie mondiale dans cette école qui reçoit également de l'institution internationale un lot de matériel pour combattre et se préserver de la COVID-19. Mesdames et Messieurs, Pascal Taouès est allé voir Patrice Talon tout à l'heure. Le colonel à la retraite est allé discuter avec le chef de l'État de sa situation administrative et de celle de sa famille hors du territoire depuis plusieurs années maintenant. Il a dit à sa sortie d'audience que les échanges ont été cordiaux et très prometteurs avec le président de la République qui a promis d'intervenir. Et puis, ces deux sujets qui ne quittent pas l'actualité depuis quelques semaines maintenant. D'abord, les séances de prière pour appeler à la paix dans le cadre de la présidentielle. Il y en a eu à Lokosa et Dogbo d'une part, avec les musulmans de la Fondation Malekhosou, et de l'autre, à Djougou, avec les enseignants qui avaient à leur côté la colistière de Patrice Talon. Ensuite, la célébration de la Journée internationale de la femme qui continue d'abord avec les femmes du ministère du Travail et de la Fonction publique qui ont réfléchi sur les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Ensuite, CARE Bénin Togo qui est allé échanger avec les filles d'un établissement confessionnel de Cotonou sur la pandémie du coronavirus afin d'en faire des ambassadrices pour d'efficaces sensibilisations. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.